Du coup, bah, niveau quête, il reste Tali, la quête de la citadelle qui n'avance pas. On va pouvoir sortir d'ici. Ce qui tue Samara, il mérite de périr sur Virmir. Ah, bah d'accord! Peut-être que dans mon prochain run, je le ferai. Une meilleure vie que l'on se rend sur Omega. Mais une fois arrivé, on y trouve ceci. De bonnes gens contraint la destitution par un monde gorgé de criminels. Ils méritent protection. Si je survis à votre tâche, je reviendrai peut-être ici. Alors, il y a un certain Garus qui essaie de se repentir ici aussi. Ou pas de se repentir, mais de faire ménage et c'est pas une réussite. Hein. Du coup, j'ai tout acheté sur Omega. Normalement, bon, bah, on va pouvoir repartir. J'ai des sous-sous. Platine, non, j'ai des sous-sous dans la pop-poche. J'essaie de peut-être tout acheter ce qui reste à la citadelle. Je sais que dans les. Étage 2, attends, on était à la 27, donc au 26, j'avais encore des trucs à acheter. C'est moi, oui. Salutations. J'espérais bien que vous passeriez. Moi, c'est Ish, et voilà Cell. Vous méritez d'être connu, on dirait. Et quoi ? Pendant mon leurre, j'ai nettoyé mon téléphone avec de l'alcool. L'écran ne glisse plus super bien. Bah, faut pas le boire, l'alcool, Nassim ? Non, j'ai pas lu ce qu'ils m'ont dit, du coup. Par ici, les gens raisonnables se font plus rares que l'oxygène. Qu'est-ce que vous voulez ? Bien, j'espérais vous soumettre une proposition, si vous me permettez. Il me faut quelqu'un de fiable et de compétent pour s'acquitter d'une petite course pour moi. Rien d'illégal, bien sûr, et je vous paierai grassement. Je vous écoute. Je donne dans le trafic d'informations, notamment l'achat et la revente de documents confidentiels. Ça n'a rien d'illégal. J'ai juste besoin de quelqu'un pour ramasser... Ça fait deux fois qu'il m'a dit qu'il n'y avait rien d'illégal. C'est louche, quand même. Plus tu le dis, c'est crédible. Mais marché conclu, j'ai besoin de thunes. Mes contacts déposent leurs colis à des endroits précis. J'ai besoin de vous pour fouiner devant la boutique de Marab, sur la citadelle, et dans le bar L'Éternité, sur Ilium. Soyez à l'affût de tout ce qui pourrait contenir des blocs de données, et rapportez-les-moi. Bonne chance à vous. D'accord. De toute façon, je vais à la citadelle, donc ça tombe bien. Je retourne l'arc. Normandie. Tu finis à quelle heure? Dans pas longtemps. Dans normalement 25 minutes, alors selon comment on va se finir la quête. Hein. Mais je finis normalement. Bientôt. Vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Une grande cellule de carburant, plus de détails. Ok. Fusil de dégâts. Ah oui, d'accord. Mais sinon, j'utilise pas le fusil. L'assaut. Ce n'est pas disponible. Ok, ok. Amélioration du vaisseau. Grande cellule de carburant. C'est cadeau. Et du coup, la citadelle. Direction. Enfin, du coup, j'ai dû récupérer plus de place dans le carburant, c'est ça. Je suis tombé sur mon lit. Attends, j'arrive juste à la phrase là. J'ai pas lu la suite. à faire du découpage, mais je te regarderai. Enfin, pas trop, pour ne pas couper la main. Bah oui, te blesse pas quand même. Content de ma connerie en plus. Donc Garus et Vrex. Grunt. Grunt qui n'est qu'un substitut de Vrex en réalité. J'aurais voulu garder Vrex. Hein. C'est triste ce que je dis. Je ne comprendrai jamais les humains.
Une liste de personnes interdites de... J'ai surpris votre conversation. Vous avez un problème? Cela ne regarde que nous. Donnez-moi une chance. Je peux peut-être vous aider. Je ne vois pas pourquoi vous le feriez. Depuis que votre espèce a obtenu un siège au Conseil, vous avez pris en charge la gestion des douanes. Résultat, des centaines de nouvelles interdictions et procédures de sécurité. Nous représentons apparemment un risque d'infiltration guette. On refuse de nous laisser embarquer pour l'espace Asari. Pourquoi est-ce qu'on vous refoule? Vous n'êtes pas des guettes, ça crève les yeux. Je ne sais pas, ils n'ont rien voulu entendre. Nous faisons partie de je ne sais quelle liste, apparemment, et on refuse de nous expliquer parce que c'est confidentiel. Qui vous empêche d'embarquer, au juste? Je ne sais pas qui a pris la décision. C'est un gratte-papier à la baie d'embarquement qui nous a avertis. Celle à côté du SSC, vous voyez? Je vais voir si je peux faire quelque chose. Je ne me fais pas d'illusions. Ok. On va parler à Anthony à l'entrée. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous laisser embarquer avec ça. Mais c'est un objet... Je peux vous aider? J'ai parlé à des Asari qui disent que la douane refuse de les laisser partir, mais sans donner de raison. Vous pouvez m'aider? Je suis désolée, monsieur, mais toutes les questions relatives à la sécurité de la station sont confidentielles. Nous ne pouvons pas courir le risque d'une infiltration guette. En révélant pourquoi quelqu'un fait partie de la liste noire, je risque de compromettre l'identité des agents secrets du SSC. Vous leur avez parlé? Est-ce qu'elles vous ont paru être des agents guettes? Eh bien non, mais on ne peut jamais être certain. Écoutez, mademoiselle. Des guettes, j'en ai buté par centaines. Je peux vous assurer que ces deux-là ne sont pas des taupes. Déjà, elles n'ont pas la tête en forme de lampe torche. On m'a fixé des règles que je dois appliquer. Après, justifié ou non, ce n'est pas mon problème. Je ne peux pas les laisser partir, mais je peux demander un réexamen de la situation. Pendant ce temps-là, elles seront libres de leur mouvement. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Suivant. Ok, bah j'y retourne. Oui, tu vois, avec toute la conciliation, est-ce que je suis monté à fond? Oui, je suis à fond de conciliation. Ça m'a pas débloqué un succès. Oui, il manque un petit morceau, mais... Y a pas de... qui me dit si je suis à fond ou pas. Si, je crois qu'il y a un succès là-dessus en plus. Alors? Bonne nouvelle. Je les ai persuadés de vous relâcher. Bah voilà. Vous avez quoi? Mais comment avez-vous fait? J'ai mis en évidence les failles de leur méthode. J'ai combattu pas mal de guettes à une époque. Vous êtes surprenant à plus d'un titre. Mieux vaut nous préparer à partir. Il doit y avoir un autre vaisseau pour Tessia demain. 40 points d'expérience, plus de conciliation. Et 1000 crédits. Ah bah bon, je me suis fait payer. Du coup, je voulais descendre pour récupérer les nouveaux trucs achetés. Il veut rien, lui. Salutations, être humain. Vous trouverez de nombreux vaisseaux excellents en vente ici. À peine utilisés, parole. Ah. Je suis le commandant Shepard. C'est le fameux colis. Qui est ma préférée de la citadelle. Protection, 75 000 euros. C'est un truc très cher à acheter. Je suis le commandant Shepard. Et c'est... Les améliorations nerveuses peuvent entraîner des problèmes de motricité. Jake adore courir. Tu imagines si ça le faisait tomber? Il n'y a pas trois magasins ici? Ok. Ok, donc Citadel, normalement j'ai tout acheté. On va aller au niveau 28 pour être sûr. Deux niveaux dessus. Il y a un magasin à l'entrée à droite. Non, je suis là. Okay. J'aimerais bien qu'on revienne au RPG old school. Aujourd'hui, tout est question de dilemme moraux. Je suis le commandant Shepard et cette boutique. Ok, non, j'avais fini d'acheter aussi. Donc, je n'ai plus rien à acheter sur la citadelle. Je vérifie qu'il n'y a pas d'autres magasins. Elles sont synchro.
Ok. Livrer le colis. Apporter le colis sur... Moi, je vais finir là-dessus, de toute façon. On tourne sur Mega. Et donc pour la semaine prochaine, ce sera la quête de Tali. Et Zora va se... Pour l'instant encore, je sais plus quoi. C'est son nouveau nom qui me reste en tête, du coup. Plus facile à retenir. Souvenir à la citadelle. Peut-être des nouveaux souvenirs. Et cette boutique est ma préférée de la citadelle. De l'autre côté, il y avait un magasin d'épicerie fine, normalement. Bon. C'est bon. Allez, soyez sympa, quoi. Ok. Bouclier renforcé, plus de détails au labo. Ah, peut-être que je fasse un petit truc au labo par contre. Omega. Ah, il est caché derrière. Alors, Garrus. Plaisir de vous revoir. Dites-moi que vous ne revenez pas les mains vides. Vous savez ce que contiennent ces données? Pourquoi? Rien de fâcheux, j'espère. Sûrement rien qui justifie qu'on se range les sangs. Ces données pourraient torpiller l'organisation d'Aria. À votre place, j'éviterai de me mettre dans ses pattes. Merci, mais je sais ce que je fais. Et si on revenait à nos affaires? À quoi vous servirait des informations sur l'un des hommes d'Aria? À moi, rien. Mais Aria s'est mis pas mal de gens à dos. Et ils sont prêts à se saigner pour avoir ces données. Si Anton ou Aria l'apprenaient, je serais ruiné, ou pire. Aria finira par savoir ce que vous tramez, Ish. Je n'aimerais pas être à votre place. Je crois que je peux m'en arranger. Personne n'a jamais réussi à renverser Aria. Dès qu'elle aura logé vos clients, ce sera votre tour. Vous avez raison, je... Il faut que je me tire d'ici. Merci, mon ami. Vous venez de me sauver la vie. Cell, vite, il faut qu'on parte d'ici. Ok. On peut dire ça dès le début. Enfin, non, je savais pas que c'était ce qu'il voulait, ce qu'il faisait. Hop, Omega, les colis pour Ish. Terminé. Ok. On va retourner sur le vaisseau. Petit tour d'équipage pour terminer. Selon les premières conjectures, il s'agirait de vaisseaux de reconnaissance. J'ai aussi des. Peut-être des. Non, pas les aberrations, des messages non lus. Inspectrice Anaya, toujours en vie, ok. C'est que des remerciements pour la fin de mes quêtes, hein, j'imagine. Nouvelle du gosse. Ah, le bord de table qui me bloque. Ah, Joker, vous êtes connerie à me raconter? Je compte sur toi. Content de vous revoir sain et sauf, commandant. Je sais pas pourquoi, j'ai cru que vous alliez abandonner Samara et nous ramener une espèce de vampire sadomaso fasciné par la mort. Bizarre, non? Non, je n'ai pas hésité en fait, hein. J'imagine que tout est en ordre par ici. Pour l'instant, ça va. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. J'ai fait la quête de Samara, donc il était... Commandant. Commandant. Ok, il n'y a qu'une chose, qu'une seule chose à dire. À bientôt, commandant.
C'est vrai que j'ai pas parlé à Kelly. Je ne sais pas sur quel pied danser avec Grunt. Mon profil psy concernait Okir. De là à savoir si Grunt est mentalement stable, il y a un fossé. J'ai l'impression que rien ne lui importe. Pas même la vie ou la mort d'autrui. Oh. Ne vous inquiétez pas. Je ne le laisserai pas toucher à un seul de vos cheveux. Quitte à ce qu'on me touche, autant que ce soit vous. Enfin bref, quoi de neuf? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Rien pour l'instant. Autre chose, commandant? Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, je reste ici. Que puis-je faire pour vous, commandant? Ce sera tout. Si vous avez besoin de quelque chose, okay. Je reste ici. Ok, j'ai plus d'amélioration d'armure. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps pour parler? Je voulais vous parler, justement. Question médicale. La mission est dangereuse. Réaction au stress diverse selon l'espèce. Les humains recourent à l'activité sexuelle en phase de stress. Concept médical reconnu. Néanmoins, précaution requise en cas d'interaction avec un agent de Cerberus. Vous avez un conseil de médecin à me donner? Contamination parasitaire possible. Risque d'infestation interne. Examen post-coïtal recommandé, par sonde endoscopique si applicable. Aptitude biotique profitable à l'interaction. Je transfère un manuel ad hoc sur votre système. Inclus illustration, exercice, mode d'utilisation créative des champs gravitationnels. Je peux fournir divers lubrifiants pour atténuer la gêne occasionnée. J'ai transmis à IDEA des holodidactiques à utiliser à votre discrétion. Ok. Ok, non mais ok. Attendez une minute. Vous ne seriez pas en train de vous foutre de moi? Vous m'offensez? Le secret médical est une valeur sacrée. Jamais je n'oserais me moquer de vous. Profitez de l'instant tant que vous le pouvez, Shepard. Je serai là à étudier l'interface cellulaire. Plus simple, moins d'alcool et de musique d'ambiance. Ah mais ok. Merci, Ordine. Shepard, que vous avez un peu de temps pour parler? Oui, une question m'occupe, justement, d'ordre personnel. Un appel. Un généticien prometteur, lui-même. 16 ans à peine, il tient une chaire à l'université. Tout moi à son âge. J'ai dû lui mentir sur mes activités. Il n'était pas dupe, je crois. Peu importe. Entendre sa voix est appréciable. Aucun de vos proches n'a jamais su ce que vous avez vraiment fait pour le gouvernement. Non, suspicion de mensonge, mais pas de question. La curiosité naturelle chez les Galariens, compensée par la prémanence des codes sociaux. Secret décliné en deux catégories. Première catégorie. Personnel, remords. Invite à la suspicion, à l'exploration, énigmes à résoudre, défis à l'intelligence. Drame. Deuxième catégorie, secret risqué à divulguer. Communication dissuasive, protection de l'entourage. Pourquoi ne pas simplement insinuer que ces secrets sont trop dangereux à dévoiler? Langage inconscient, code social, gestuelle réflexive, impossible à simuler, exemple, bâillement, perçu comme contagieux par les humains. Constatation du spasme, induction sensorielle, désactivation de la zone périamidalienne, spasme réflexif. Empathie sociale, commune chez les canidés. Chez les galariens, contrefaçon de signaux dissuasifs à la curiosité comparable à la simulation d'un bâillement. Possible, mais efficacité limitée. Vous craignez de ne pas survivre, c'est pour ça que vous l'avez contacté? Non, j'ai intégré les risques, je l'ai contacté par souci de réitération émotionnelle. Difficile de conceptualiser la galaxie, trop peuplée, données démographiques dépersonnalisées, facile à négliger lorsqu'un dilemme se pose. Pour ce combat, connexion affective souhaitable. Impossible d'anthropomorphiser la galaxie. Lien familial plus facile à appréhender. Mon neveu. Motivation. Votre neveu a décroché une chaire à 16 ans? C'est un genre de génie précoce. Non. Si. Mais pas au sens où vous l'entendez. Notre longévité excède rarement les 40 ans. Selon vos normes, notre maturation est rapide. Ravi que vous ayez pu contacter vos proches avant la fin. Et merci pour cette conversation. Honoré de participer à cette mission. J'ai contribué à préserver la galaxie, déjà. Le génophage. Sale besogne. Moralement douteuse. Dilemme éthique. Opération contre les récolteurs plus simple, plus direct. Un ajout de choix sur le curriculum de Mordine Solus. Sauf mort collective. Reconnaissance posthume, alors. Néanmoins, merci. Shepard, je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps pour parler? Plus tard, peut-être. Autre chose. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous?
J'avais plutôt envie de balader. Je vais bien, Shepard. Je suis paré à tout. Surtout si ça implique d'aller siffler quelques verres à la santé de la citadelle. Ok, donc il n'y avait rien à dire. Allez. Morin a hanté mon esprit de jour comme de nuit. Pour la première fois depuis 400 ans, je suis libre. Accablé par le chagrin et le remords, mais libre. C'est au-delà de ce qu'on peut exprimer. Ça en valait la peine ? C'était une question de nécessité, rien d'autre. J'ai fait ce que j'avais à faire. Elle en a fait autant. Cette histoire ne pouvait connaître d'autre issue. Vous avez fait votre devoir. Et vos sentiments ? L'une de mes filles est morte. C'est dans mes enfants que j'avais placé tous mes rêves et mes espoirs. Pour autant, mon devoir a toujours pris le pas sur mes émotions. Il en va de même pour vous. Vous disiez que Morinthe était un monstre. Votre propre fille. Elle était la plus forte de toutes. Elle n'a pas accepté l'injustice qui la frappait. Elle a lutté jusqu'au bout. Je suis si fière d'elle, Shepard. Pourtant, vous l'avez tuée pour ce qu'elle était. Et si c'était à refaire, je n'hésiterais pas. Mais je sais ce que cela signifie de renoncer à tout et de lutter sans relâche. Imaginez seulement qu'elle a tout quitté à l'âge de 40 ans. J'ignore comment les humains mesurent leurs années, mais à cet âge, les Asari ne sont guère plus que des enfants. Qu'allez-vous faire maintenant que Morinthe est morte ? En supposant que je survive à votre mission, je suis une probatrice. L'injustice perdure, et d'autres Arda Tyakshi sévissent peut-être encore. Il n'existe aucun remède au mal dont souffrait Morinthe. Nous sommes une espèce évoluée, certes, mais hélas dépourvue de magie. Lorsque le mal se déclare à l'âge adulte, il est déjà trop tard pour en atténuer les symptômes. Il ne se manifeste que chez les sangs purs comme moi. Peut-être cela explique-t-il le discrédit qui nous frappe. Je ne sais pas. Je croyais les Arda Tyakshi extrêmement rares. Les Asari ont essaimé sur bien des mondes. Et certains confins de la galaxie échappent encore à notre juridiction. Si je voyage jusqu'à ces mondes, je les trouverai, où qu'elles se cachent. Morinthe a prétendu incarner le futur de l'espèce Asari. Morinthe aurait dit n'importe quoi pourvu que cela serve ses intérêts. Les Arda Tyakshi sont stériles, Shepard. Ce futur qu'elle envisageait pour nous n'était guère viable. Vous n'avez pas envie de vous poser ? Autrefois, oui. J'ai regagné mon monde natal et tenté de fonder une famille. Je devrais lutter le reste de mon existence. Tel est mon destin. Je ne mourrai pas dans la paix d'un foyer. Je m'y suis résigné. Vous avez toujours votre destinée en main. J'ai choisi cette voie. Je me sens en paix. Et c'est en grande partie à vous que je le dois. Vous allez bien ? Pourquoi ne pas remettre cette discussion à plus tard ? J'ai besoin de... Comment suggérez-vous d'utiliser certaines des ressources que nous avons réunies ? J'ai fait mon possible pour augmenter nos capacités d'exploration. Le reste relève de votre... Ah, j'ai une amélioration avant de lui parler. Que pensez-vous de Miranda et de Jacob ? Jacob est un jeune homme appliqué. Les événements à venir forgeront sa grandeur ou l'anéantiront à jamais. Miranda est une femme incontestablement volontaire. Je respecte sa force et sa détermination. Elle porte de lourds fardeaux et ne les partage avec personne, comme il se doit. Je dois y aller. Faites. Je commence à épuiser tous les dialogues qui existent. Avez-vous besoin de moi ? Vous avez quelques minutes pour discuter ? Bien sûr. Si je peux me permettre, vous ne ressemblez pas à un assassin. Vous avez passé trop longtemps à combattre des gros bras qui croient qu'une armure à leur couleur en fait des professionnels. Les Anari forment mon corps au rôle qui est le mien depuis l'âge de 6 ans. Vous butez des gens depuis que vous avez 6 ans ? Bien sûr que non. J'ai attendu d'en avoir 12 pour tuer. Ils me formaient. On n'utilise pas un tel investissement à la légère. Vous étiez un enfant, pas un investissement. Non, je vous ai donné une mauvaise image. J'étais précieux pour eux. En tant que ressource, oui, mais aussi en tant que personne. Ils regrettaient de devoir se servir de moi. Les Anari ? Ces créatures flasques et polies qui vénèrent les protéins ?
Ils n'ont pas l'air du genre à former des assassins. Toutes les espèces le font. La seule particularité des Anari, c'est qu'ils ont besoin d'autres races pour jouer ce rôle. Ils ont une poigne solide et des toxines naturelles. Mais en avez-vous déjà vu se déplacer rapidement hors de l'eau ou utiliser une arme? Comment est-ce que vos parents ont pu accepter ça? L'accord a été donné en vertu du Synacte. C'était un honneur pour notre famille. Le Synacte? Nous vivons sur la planète des Anari parce qu'ils nous ont sauvés de l'extinction. Nous leur devons la vie. Voilà ce qu'est le Synacte. Mais vous ne tuez plus pour les Anari? Vous êtes freelance? Qu'est-ce qui a changé? J'ai sommeillé bien longtemps, oui. Sans prendre garde à ce qui était exigé de mon corps. Mais... la visée laser tremblote sur son crâne. Un doigt se contracte. La vie le quitte. Puis cette odeur d'épices portée par le vent printanier. Des yeux couleur du couchant qui brillent la lunette dans un regard de défi. Le laser s'enfuit gracieusement. Mes excuses. Les Drell ont une propension à la réminiscence. C'était un de vos assassinats? Ah, oui. Nous pourrions peut-être en discuter plus tard. Je vous ai déjà fait perdre assez de temps. Pure Drell. Je suis content de ne pas avoir pari le Legendary Edition. J'ai l'impression que c'est un remaster fainéant. Bah, techniquement, ils ont changé que les textures. Ils se sont pas cachés. T'as juste les textures en HD et puis voilà quoi. Les anciens bugs sont toujours présents. Lancer Mass Effect 2 est toujours aussi chiant. Ça plante très souvent pour le lancement. J'ai galéré pour le lancer aujourd'hui par exemple. C'est pour ça que j'ai commencé 10 minutes plus tard, et mais sinon, bah, pour moi c'était l'occasion de le refaire. C'est surtout ça. Mais voilà, en gros, il n'y a que les textures HD. Hein. Les anciens bugs sont toujours présents. Hein. Le bug qui fait que dans le 1, le fan qu'on croise, soit on prend une photo avec lui, soit on le menace parce qu'il nous fait chier. Et bah, dans le 2, dans un bar sur Ilium, tu le recroises. Y a un bug qui fait que de toute façon quoi que tu as fait dans le 1, il prendra en compte comme si tu l'avais menacé qu'un flingue. Alors moi j'ai été gentil, bah, et du coup ce bug est toujours présent, par exemple. Mais c'est que de la texture HD. Vous avez quelques minutes plus tard, j'aimerais réfléchir. Je vais retourner à mes méditations. Voilà. Avez-vous besoin? Vous permettez que... Mais bien sûr. Non, il n'y a pas des améliorations pour lui. Okay. Je dois partir. Je vais retourner à mes méditations. Mais oui. Un remaster de qualité. Bonjour Shepard. Ok, juste un bonjour. Et Miranda. Commandant, que puis-je faire pour vous? Vous auriez une minute? Oui, bien sûr. J'étais très occupée ces derniers temps. J'avais un petit travail à faire pour Cerberus, mais je n'ai pas oublié notre dernière discussion. Ça me fait un peu peur, mais je n'ai pas oublié. À supposer que vous soyez toujours intéressé. Bien sûr que je suis intéressé. Ravi de l'entendre. Je passerai vous voir au prochain moment de calme. Bah oui, parce que faut que tu t'engueules à quelqu'un d'autre en entendant. Oh, le spoil. Ouais, ils ont dit qu'ils avaient tout repris d'origine. C'est même toujours le Neural Engine. Bah oui, du coup... ils auraient pu au moins corriger les bugs connus. Vous avez besoin de moi pour quelque chose? Vous avez une minute? Ça peut attendre un peu? Ouais. Je suis en plein calibrage. On se reparlera plus tard. J'ai fait le tour des discussions avec si Garrus. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Il m'a resté Grunt, Jack. Mais bon, j'ai déjà pas mal discuté avec eux, donc peut-être pas grand chose. Hey Grunt. Shepard! Je fais mal. Shepard. Je passais aux nouvelles. Comment ça va? Je peux me diversifier. J'ai toute une liste d'ennemis maintenant. Tous. J'ai du plaisir à m'imaginer les découper, les écraser. Ça me rappelle l'image d'un galarien avec... comment on appelle ça? Les trucs sur sa tête écartelés. Ça a dû provoquer toute une génération de vengeance. Donc, quoi, une poignée de semaines à leurs yeux? Bon, que vouliez-vous? Vous savez, je pensais qu'en renouant avec votre passé, vous vous calmeriez un peu. Ah,
Qu'est-ce qu'on s'amuse quand même. Moi qui me rappelle des morts sympas, et vous qui sentez des trucs marrants typiquement humains. Moi, mon boulot, c'est de faire mal. La stratégie, le contrôle, ça c'est votre travail, Foudre. C'est grâce à vous que je suis un soldat, et pas un animal. Merci, Shepard. Vous avez donné un sens à ma vie. Maintenant, allons trouver quelque chose de gros à tuer. Évidemment. Shepard. Je passais au nouveau. Foudre, j'ai tout ce qu'il me faut. Un clan, un crante. Ok, c'est sa phrase habituelle maintenant. Depuis que je l'ai aidé... Tous les voyants sont au vert. Cuve avant. Flottaison ok, élévation ok. Tu parles du Normandie ou de Miranda ? Je parle d'un sujet couvert et protégé qui ne ballotte pas au premier coup de vent. L'uniforme de l'agent Lawson est très officiel. J'ai toujours regardé à vous quand je le vois. Espèce de porc. Pardon. Dites-moi quelque chose que je ne sais pas sur vous. J'ai rien à dire. Pourquoi ? Je veux en savoir plus, et je ne compte pas m'en aller. Je suis là pour me battre. Rien ne nous force à être potes. Il y a un truc qui vous démange, hein ? Un truc bateau, genre « pourquoi je suis ancrée comme ça ?» ou quelque chose d'aussi chiant ? Il faut que ça vous affecte pour être vraiment intéressé. Toutes ces conneries, j'ai déjà donné. Ça pourrait être sincère. Vous ne pouvez pas savoir. J'ai des yeux et du vécu. Vous ferez machine arrière dès que vous comprendrez que vous n'êtes pas le premier et que je suis immunisé contre votre aide. Je mords à l'hameçon. C'est quoi ces tatouages ? Il y en a qui représentent des prisons où j'ai été, d'autres des meurtres, ceux qui valaient le coup. Il y en a pour les choses que j'ai perdues. Ça, ça vous regarde pas. Ça regarde personne. D'autres, c'est juste. Et putain, pourquoi pas ? Vous faites tout ce qu'il faut pour empêcher les autres de se rapprocher de vous. J'ai connu pas mal de monde. Si vous voulez parler d'avoir un mec ou une gonzesse, là, non. C'est une perte de temps, et ça marche jamais. Quand on laisse quelqu'un se rapprocher, ça lui permet juste d'utiliser une lame plus courte. Rester seul et en vie, ça me va très bien, merci. Vous êtes une dure à cuire, mais c'est impossible que vous ayez survécu seul toutes ces années. Quand je débutais, j'ai rencontré une certaine Manara et son copain. Ils avaient l'air débrouillards, je me suis dit qu'ils m'aideraient. Ils m'ont aidé à les rejoindre au pieu, oui. Et quand on a fini par faire une belle prise, ils ont puisé dans ma part du butin. J'avais senti le coup, et je les ai abattus en premier. Après ça, je me suis plus jamais fait chier avec des amis. C'était des connards égoïstes. Ça ne veut pas dire qu'ils allaient vous tuer. J'ai de l'intuition. Les preuves, c'est pour les autres. J'ai fait ce qu'il fallait. Je fais toujours ce qu'il faut quand on vient me faire chier. Un conseil, gardez ça dans un coin de votre tête. C'était des connards égoïstes. Je fais toujours ce qu'il faut quand on vient. Attendez, c'est à moi de poser les questions. En général, c'est à ce moment-là qu'on se tire. Pourquoi vous me posez toutes ces questions ? Vous êtes en train de me mater ? Parce que si c'est pour un plan cul, vous pourriez avoir les couilles de le dire. Rien de presse. D'abord, je veux comprendre votre logique. Inutile de connaître quelqu'un pour coucher avec. Il suffit de savoir l'aimer. Ok, on en discutera peut-être plus tard. Ou peut-être pas. Parlez-moi de vous, Jack. J'ai assez parlé. Ok, à plus alors. Ouais, il y a encore quelques éléments de langage à faire. Et puis le dernier, il parle pas beaucoup. De toute façon, je suis pas parti du mauvais côté. Toc. Shepard, je repensais au passé. Ah, si, il y a quelque chose à dire. Je lui en veux pas, Taylor. C'est normal qu'il ait tout fait pour survivre. Un jour, j'ai eu pour mission de rayer un camp butarien de la carte. Les hommes, les femmes et leurs responsables. Ce camp-là y ressemble, d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai appris que les persécuteurs sont de vraies couilles molles. Quand les rôles s'inversent, ils chient dans leur froc. Quelle putain de mission sur Zoria. J'arrive pas à croire que Vido s'en soit tiré. Moi qui attendais ce moment depuis 20 ans. Ah, il est encore là-dessus. Et je dois m'y résoudre. Nous avons plus important à faire. Allez-y, Shepard. On parlera plus tard. Ok.
Du coup, ça continue qu'il dit. Donc, journal, toutes les quêtes secondaires que j'avais activées sont faites. Et bah, prochaine. Semaine prochaine, ce sera la récupération de Tali Zora Vasnema.